Salut à tous, c'est PowerDrax. Aujourd'hui, on se retrouve sur de Battlefield 1. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, tranquille. Famille, ça va et tout. C'est un Battlefield, c'est le nouveau Battlefield qui est sorti récemment. J'aurais dit il y a un mois, deux mois, je crois. Il est différent des autres parce que les armes et tout, il y en a beaucoup moins. On peut pratiquement pas les améliorer. C'est un bateau, faut aimer en fait, moi je dis faut aimer. Alors là, je vous ferai prochainement des vidéos au snipe parce que au snipe, moi je joue pas au snipe en match à mort, pratiquement pas. Bon, lui il est dans le jeu snipe. Voilà, je ferai en conquête peut-être, mais ça dépendra du. Parce qu'en fait, je peux pas mettre de grosses vidéos sur YouTube parce que les conquêtes ça dure au moins 30 minutes. Au moins. Ok, je voulais dire aussi que récemment j'ai sorti une vidéo sur GTA où j'ai fait un troll avec un ami et je suis tellement déçu de cette vidéo parce qu'en fait on n'entendait pas du tout ma voix. Enfin ma voix oui, mais pas celle du celui qu'on avait trollé. Le mec qu'on avait trollé. Surtout que j'étais accompagné d'un ami à moi, on n'entendait pratiquement pas. Je suis assez dégoûté. Je pense qu'il y aurait eu plus d'appréciation sur cette vidéo si on aurait entendu la voix. Voilà quoi. Et en ce moment je sors pas vraiment de vidéo parce que j'ai pas de sujet. J'en profite que je viens d'avoir BF1 pour en faire une vidéo, mais sinon j'aurais pas fait de vidéo parce que en ce moment déjà mes abonnés ils montent pas énormément, ça je peux comprendre. Surtout que j'ai pas de sujet de vidéo. J'aurais bien aimé que des gens m'ajoutent, comme ça on fait des vidéos ensemble, mais il y a personne. En ce moment il y a personne. Il y a personne qui joue sur GTA en ce moment. Ouais bon, on va plutôt se concentrer sur Battlefield 1. Ok. Alors là je joue plutôt classe assaut parce que c'est la classe que je fais le plus de kills. Un petit peu rush et tout. Les armes, ouais, on peut pratiquement pas les améliorer, et on peut pas mettre de viseur, on peut pas mettre de silencieux, on peut pas mettre de tir rapide et tout. C'est différent. Mais je préfère largement jouer au sniper sur sur BF1 que sur BF4, parce que le sniper il est épique sur BF1. Il est magnifique. Ah, bâtard. Alors là, excusez-moi si je parle pas énormément, je suis concentré parce qu'il y en a un ennemi là. Putain. Ah bah oui, il était là. J'espère que vous m'entendez bien. Non, le son il est pas trop fort. Ouais, il y a 25, vous m'entendez bien. C'est juste que moi je m'entends pas énormément parce que je le sens pratiquement à fond mes oreilles. Dans mon casque. Ouais. Alors on est sur une de mes maps préférées. C'est une map qui est dans le désert. Surtout que je l'adore en conquête. Au snipe en conquête. Avec sa petite tente là, les campeurs. On est tous des campeurs hein, sur Battlefield. Essentiellement sur Battlefield 1. Oh putain! Je maîtrise pas encore. Ma sensibilité, je l'ai pas réglé encore parce que. J'essaye des sensibilités parce que je suis pas encore. Les sensibilités c'est pas pareil que BF4 je trouve. Ça c'est un point personnel. Je trouve c'est pas pareil du tout. Alors ouais. Il y a plein de nouvelles options qu'on peut faire. Par exemple il y a ça. Parce qu'on met je sais pas comment, une dague, une épée, je sais pas quoi sur son arme. On peut faire des brochettes. Après on est fatigué du coup c'est chiant. On peut pas courir pendant peut-être 5 secondes. Et ça peut être. Ok. Putain. Ouais. Oh putain. Mais qui joue à la batteuse. Ouais, il y a plusieurs classes. Il y a. Ça, c'est une sorte de. Fusil qui tire très loin. Qui tire balle par coup,
C'est une sorte de batteuse, ça c'est un snipe, mais sur cette vidéo j'ai joué essentiellement au fusil d'assaut pour avoir le plus d'action dans cette vidéo et voilà. Ah non, c'est pas quelqu'un. Alors s'il y a quelqu'un, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont BF1, je vous invite à m'ajouter en ami pour se faire des petites parties tranquillou ensemble. Contre cette arme, son défaut c'est qu'il a pas beaucoup beaucoup de portée. Peut-être un jour aussi, dès que j'aurai débloqué les bris, c'est un pistolet troll, c'est un truc de troller ça. C'est un troll qu'ils ont mis carrément sur BF1. C'est un pistolet miniature, je essayerai de le prendre pour faire des parties avec, mais je vous promets rien avec. Hein. Je ferai peut-être du 5, du 5-20. Hein. En tout cas, moi c'est bon, je suis assez content de ce jeu, hein. C'est un bon investissement, ouais. Je mâche mes mots. Ok. Oh non, putain. Oh putain, un petit coup de couteau. Blah. Les couteaux, ils sont assez marrants. J'aime bien les actions qu'on peut faire et tout. On a des pelles. On a des pelles hashtag portugais. Hashtag jo. Et Bront, ouais. J'ai remarqué un truc, c'est quand on lance des grenades ou des projectiles, je ne sais quoi. Ça la lance très 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 haut et très très loin. Je pense que ça c'est un peu cheaté quand même. Ce serait bien si la rabaisse. On rabaisse le niveau parce que c'est vraiment énormément haut. Je pense que là je suis chaud pour une autre vidéo après. Je ferai une autre vidéo après direct. Par contre, j'ai un petit conseil si vous voulez en tant que débutant. Ne mettez pas. Ne prenez pas de. Ne remplacez pas vos grenades par des grenades. À gaz, parce que tout le monde a des pratiquement tous les joueurs ils ont des masques à gaz, ça sert à rien du tout, ça sert à rien, mais laissez votre grenade pendant 2-3 games, j'ai fait ça et ça servira à rien. Ben voilà, on a perdu. Alors je fais du 7-7, mouais. Bonsoir, à la fin de cette vidéo, j'enchaîne direct sur notre vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, ou laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait très 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 plaisir. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.